on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment installer Geometry Dash, la version payante. Tout d'abord, vous allez vous rendre sur Internet et vous allez cliquer sur le lien qui se trouvera dans la description. Ensuite, vous allez arriver à ceci. Voilà. Et ce sera un truc Mediafire. Vous aurez juste à le télécharger. Je vais le télécharger en direct. Là, 12 minutes, ah ouais, mais ça va prendre trop de temps. Ouais, bah, du coup, en fait, voilà, ensuite, vous aurez un fichier comme ça. Voilà, ce fichier-là. C'est pas vraiment moi, pas vraiment mon fichier, mais vu que vous avez été nombreux à me demander, voilà. Et vous allez faire un clic droit, extraire ici. Et en fait, ça va extraire tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur. Tout ça et tout et tout. Et voilà. Du coup, ensuite, vous obtiendrez ceci. Quand vous aurez ceci, vous n'avez qu'à ouvrir le lien. Là, il y a tous les trucs. Il ne faut surtout rien toucher. Vous cliquez sur clic gauche. Voilà, soit vous pouvez tout de suite lancer, mais à chaque fois, vous devriez aller dedans et tout. Et pour directement, il ne faut pas glisser sur la page, mais faire pas copier-coller, mais vous cliquez, hop, clic droit, envoyer vers, bureau, créer un raccourci. Voilà. Et ça vous a créé votre géométrie d'âge. Voilà, et si vous le lancez. Moi, je l'avais déjà, du coup, ça m'est géométrie d'âge 2. Voilà. Et voilà, là vous avez la version payante et tout. Moi, vu que j'ai déjà fait ça. Bon, bref, c'était juste un petit tuto. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Allez, ciao ciao!